som el millor club del món i treballarem... I treballarem amb molta exigència per aconseguir els èxits. El Barça no es pot permetre ni empatar ni perdre. Hem de guanyar cada partit. Estas Navidades regale efecto Xavi. Se evapora. Salam à tous, Yanis Benz. 6 victoires sur les 7 derniers matchs contre le Barça. Nos petits. Et encore la seule défaite qu'on a contre eux, c'est parce qu'on a mis Modric faux neuf et qu'il n'y avait pas Benzema. Mais quand Benzema est présent, la différence se ressent tout de suite et ça donne un but pour lui et une victoire très importante pour son équipe. Pendant que son rival de l'autre côté, pour des 3 sur 10, à chaque fois qu'il rencontre une grosse équipe. Les One Disney, qui s'est fait littéralement éteindre par Militao, le meilleur défenseur du monde cette saison. Tellement désespéré de son match, les One Disney, qu'il s'en est mis à faire un plongeon grotesque dans la surface. Donc bref, Robert, t'es venu en Liga pour montrer qui était le meilleur entre toi et Benzema. T'as bombé le torse en marquant beaucoup de buts contre les petites équipes. Hein, Pichichi, etc. et tout. J'ai l'impression quand même que Benzema lui a dit tu peux en mettre 40 début de cette saison si tu veux, mais nous on va gagner la Liga et ce match-là il est important et je vais le faire gagner à mon équipe. Sinon on peut parler de quoi dans ce match? On peut parler de Valverde qui encore une fois chie sur le Barça dès qu'il les affronte. Il marque toujours contre eux, c'est abusé. Et balle au pied, qu'est-ce qui s'est amélioré? Ça fait vraiment plaisir. Pendant que Gavi de l'autre côté est juste un mec qu'on a envie de piétiner. Aucune peine, je te nie ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Je veux savoir ce que ça fait de prendre leur place. Je m'entraîne à sourire devant ma glace. Je peux parler de qui dans ce match encore? Je peux parler de Modric, 37 ans, toujours le meilleur milieu du monde. Son match est indécent encore une fois. Pendant qu'Iniesta a son âge. La cave de la famille Iniesta a produit plus d'un million de bouteilles en 2017. Le Japon est un des bons clients de la famille. Mais surtout dans ce match, je suis bien évidemment obligé de parler de Toni Kroos. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Alors franchement, vous me connaissez, hein, je l'ai pas mal critiqué Kroos depuis quelques temps. C'était justifié. Mais là, franchement, je pensais vraiment, vraiment pas qu'il était encore capable de faire des matchs de ce niveau. Peut-être parce que c'est sa dernière saison, il veut tout donner. Pour partir en beauté, je sais pas. Mais là, franchement, son match, c'est un classique. On n'avait pas vu ça de lui depuis Brésil-Allemagne. Donc bref, Toni, ça fait grave plaisir. Et j'espère que tu maintiendras ce niveau contre une équipe de Ligue des Champions cette fois. Oui, parce que pour nuancer un peu la chose, les mecs, ce qu'on a affronté hier, c'est juste une équipe d'Europa League, quoi. L'adversaire direct et trouver les espaces de l'appel sur le côté avec cette présence, le centre de Gavi, Lewandowski ne trouve pas le cadre de Manuel Noria. Still on for Hakan Çalhanoğlu. Didn't need a second invitation. Çalhanoğlu stunner. Le Barça joue donc son avenir en Ligue des Champions. C'est la quatrième journée du groupe C. Les Blaugrana accueillent l'Inter Milan. Le Barça n'est que troisième de cette poule à 3 points de l'Inter et 6 du Bayern. Obligation donc de gagner pour les hommes de Xavi.
Et ça joue pour Lautaro Martinez. Devant Piqué. Oh, le ballon. Quel remarquable ballon de Lautaro Martinez. Et c'est Gossens qui vient piéger, qui vient éliminer le FC Barcelone. C'est terminé. Au Camp Nou, 3 buts partout entre le Barça et l'Inter Milan. Mais ça va être très très compliqué pour les Catalans qui joueront le Bayern lors de la prochaine journée. Donc l'Inter ou le Bayern, on compte sur vous pour créer la plus grosse humiliation de l'histoire du club depuis plus de 20 ans, en envoyant le Barça en Europa League pour la deuxième fois d'affilée. Donc bref, victoire tranquille sans forcer, juste dommage encore une fois. On sait pas mettre de score, c'est incroyable, je sais pas pourquoi. Mais bref, c'est pas grave, la victoire est là, c'est le plus important. Et maintenant, on va préparer le costard pour l'événement de l'année qui va arriver dans quelques heures. Bon, j'ai pas de costard finalement, mais on a quand même essayé de se faire beau gosse pour l'occasion. Bon ben le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense, c'est pour toi Karim Benzema. On l'a fait les mecs, ça y est, Benzema Ballon d'Or, il est pour nous celui-là, pour les vrais depuis le début, pour ceux qui le soutenaient quand il n'était plus en équipe de France, pour ceux qui ne sont jamais descendus du bateau, quand en 2017, on était tout seul à le défendre quand il marquait pas, acculé par les critiques, c'était difficile et on bouillonnait face à chaque connerie qu'on entendait sur la valeur du joueur. Mais on n'a jamais lâché, on savait, et il nous l'a plus que bien rendu, et du coup, c'est notre récompense les mecs, le Ballon d'Or du peuple. Ceux qui sont restés quand ça allait mal, c'est uniquement ces personnes-là qui sont mentionnées par Benzé. Donc savourons les mecs, on a terminé le jeu. Encore. Profite. Deux places dans le féfé, va leur demander qui c'est le rêve. J'kiffe cette vie, mais je sais pas si j'en rêvais. Si c'était à refaire, oui je le referais. Y'a pas d'autre refrain. Y'a Beno Eve, c'est le véritable. Toujours en dédicace, ouais c'est un récital. Tu m'en veux, t'es envieux, mais c'est Dieu qui donne. Ouais c'est Dieu qui donne, arrête de me jalouser. Arrête de me jalouser. Bon sinon après ces belles paroles, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé dans la soirée. Bon je vais pas commencer à parler du classement de Vinicius qui est 8ème, ou encore Courtois qui est 7ème. De toute façon le Ballon d'Or à part la première place, c'est de la belle merde. Faut pas s'y attarder. Je vais pas parler de la récompense du club de la saison non plus. Ça aussi, c'était bien hilarant. Mais je vais plutôt parler de quand Florentino Pérez a littéralement chié à la gueule de Mbappé quand on lui a posé une question sur son avenir au Real Madrid. Parler avec Mbappé? Je ne suis pas seulement fatigué. Je ne lis même plus le sujet. Nous avons un avenir fantastique devant nous avec Vinicius et Rodrigo. Deux superstars qui peuvent remporter le Ballon d'Or. Ah mais on est heureux. Ça clôt définitivement une arrivée du pape. Reste en chien papa. Loin du Real Madrid. Et loin de tous les trophées possibles. Reste en chien, en chien. Écoute, biatch. Enfin bref, soirée historique. Comme j'ai déjà dit, quand ton joueur préféré, avec tout ce qui s'est passé, gagne le Ballon d'Or, t'en as fini avec ce sport. Et tu peux rien espérer de plus.